Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose ce très joli point fantaisie au tricot. Donc c'est un point qui est mélangé de points ajourés en zigzag et de mailles torse. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Il est comme ceci. Donc ça peut être un joli point et bien pour le printemps, la prochaine saison qui va arriver et on espère ça va vite passer, pour par exemple faire des pulls, des gilets. Ça peut être vraiment très adapté. C'est un point qui n'est pas réversible. Sur l'envers, il est comme ceci. Vous voyez, il n'est pas vilain de l'autre côté. Et vous pouvez même l'utiliser, par exemple, pour vous faire une étole. Il est vraiment très, très beau. Vous allez voir qu'il a un tout petit multiple et qu'il se monte sur très peu de rangs. Si vous êtes une personne débutante, eh bien, vous pouvez quand même essayer de réaliser ce point puisque vous allez voir, il n'est pas compliqué à réaliser. Il faut simplement rester bien concentré avec eh bien, le changement de point. Donc ce point-ci, donc, il a un multiple de 7 mailles plus une pour la symétrie. Mais c'est un point, si par exemple vous voulez juste prendre une colonne pour ajouter dans un motif que vous réalisez déjà, si vous faites un pull, un gilet, une étole avec plusieurs motifs par exemple, eh bien, vous pouvez uniquement monter un multiple de 6 mailles par exemple, puisque le point de base donc, d'une maille en droit torse ici à une maille en droit torse de l'autre côté, il y a 6 mailles, d'accord. Mais si vous voulez eh bien, réaliser par exemple une écharpe, pull, gilet, n'importe quel ouvrage, il faudra bien respecter le multiple de 7 mailles plus une. Donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans barre d'infos, j'y suis très active, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir les photos que je publie, puisque je publie à chaque fois de la sortie d'une vidéo, je publie les points. Vous avez vraiment une meilleure vue des points. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, puisque de cette façon, vous allez pouvoir recevoir une alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et sur ce, nous allons passer maintenant tout de suite au tutoriel de ce très joli point. Pour commencer le point, il faut savoir que ce point est multiple de 7 mailles, plus une pour la symétrie, plus deux mailles lisières. Donc pour la vidéo, je vais monter un total de 8 mailles pour le point, plus deux mailles lisières. Donc je vais monter un total de 10 mailles. Pour le premier rang, on commence avec la maille lisière et je vais simplement la tricoter à l'endroit. Donc je commence par tricoter ma maille lisière à l'endroit. Et à partir de maintenant, c'est toute la séquence à respecter. Donc on commence par une maille à l'envers. Ensuite, une maille à l'endroit torse. Donc au lieu de piquer ma maille à l'endroit comme ceci, eh bien je vais la piquer sur le brin à l'arrière, de cette façon. Je fais ma maille à l'endroit torse, une maille à l'envers, un jeté. Donc là, je laisse simplement mon fil positionné devant mes aiguilles. Un surjet, je glisse une maille à droite comme pour la tricoter à l'endroit. Je tricote la maille suivante à l'endroit. J'attrape la maille que j'ai glissée et je viens la rabattre par-dessus la maille tricotée. Donc là, j'ai réalisé mon surjet. Une maille à l'envers. Et je termine la séquence par une maille à l'endroit torse. Donc j'attrape le brin à l'arrière et je tricote ma maille à l'endroit. Une fois que la séquence est terminée, on termine avec une maille à l'envers. Et enfin, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on commence avec la maille lisière. Je vais également la tricoter à l'endroit sur mes rangs envers. Ensuite, on démarre le rang avec une maille à l'endroit. Et à partir de maintenant, c'est toute la séquence à respecter. On commence par tricoter une maille à l'envers torse. Donc c'est pareil, au lieu de l'attraper de cette façon, eh bien on va venir attraper le brin à l'arrière comme ceci et on tricote notre maille à l'envers. Ensuite, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une et deux, une maille à l'endroit, une maille à l'envers torse, donc j'attrape le brin comme ceci à l'arrière
et on termine la séquence avec une maille à l'endroit. Je termine complètement par ma maille lisière que je tricote également à l'endroit. Pour le rang numéro 3, on commence avec la maille lisière. Et à partir de maintenant, c'est tout de suite la séquence à respecter. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit de torse, donc j'attrape le brin à l'arrière. Une maille à l'envers. Deux mailles ensemble à l'endroit, donc j'attrape les deux mailles et je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. Un jeté que l'on va enrouler autour de l'aiguille, puisqu'ensuite on tricote une maille à l'envers. Et je termine ma séquence par une maille à l'endroit torse. Une fois que la séquence est terminée, je finis complètement avec une maille à l'envers. Et enfin la maille lisière que je tricote à l'endroit. Pour le rang numéro 4, on démarre avec la maille lisière que je tricote à l'endroit. On débute le rang avec une maille à l'endroit. Et à partir de maintenant, c'est toute la séquence à respecter. On tricote une maille à l'envers torse, donc j'attrape le brin à l'arrière. Ensuite, une maille à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais les jetés, en fait, on les tricote à l'envers comme ceci normalement. Deuxième maille envers. Ensuite, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers torse, donc j'attrape le brin à l'arrière. Et je termine ma séquence par tricoter une maille à l'endroit. Et enfin, la maille lisière que je tricote également à l'endroit. Donc voilà pour les rangs qu'il va falloir répéter. Puisque maintenant, eh bien, pour continuer à réaliser ce point, eh bien, vous allez toujours tricoter du rang numéro 1 au rang numéro 4. Donc vous allez voir que quand il va monter, eh bien, vous allez obtenir ce résultat. Vous répétez toujours du rang numéro 1 au rang numéro 4 pour avoir le résultat comme ceci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et maintenant, comme d'habitude, je vous dis à vous d'essayer.